Bon, ben, il peut pas chasser non plus. Hein, voilà, il peut pas. Tu peux marquer ton territoire, donc tu vas le faire. Mon bon gars, tu vas peut-être grimper ici, tiens. Hop, comme ça sera fait. Mais bon, la furie, quoi. En tout cas, on a contaminé les Sims qu'il nous fallait pour l'aspiration. Il n'a pas encore rejoint les crocs sauvages? Encore quelqu'un qui a eu peur. Ouais, il faudrait vraiment qu'on croise Rory ou Lou pour les rejoindre. Hein. Voilà. Un hurlement de meute et pipi, les pieds dans la pisse en haut de la montagne. C'est parfait. Est-ce que tu veux te battre avec les autres? Ce serait bien. Pour voir. Ah si, il est capable de battre les autres loups-garous, quoi. Allez! Rock'n'roll, babe! Il y a la notre nana qui regarde ce qui se passe. Alors? Alors? Il a gagné! Il a gagné sa première bataille de loup-garou! Oh la vache! Puis avec la bave et tout, c'est excellent! Et si tu hurles sur elle, qu'est-ce que s'il va se passer? Tu fais peur à tout le monde, c'est bien, impose-toi. Tu gagnes des points, allez. Pichenette, allez, ça je m'en doutais, celle-là. Lui, c'est le roi de l'autre clan, alors forcément. Est-ce que tu peux te battre? Non? Bon, bah tant pis. On va attendre que la furie se calme. J'ai envoyé sur le rendez-vous des crocs sauvages. Je crois que je les ai vus. Donc il va pouvoir essayer de pourparler pour les rejoindre officiellement, ce serait cool. Voilà. Et boum. C'est un petit Simon tout nu qui est là. Voilà. Oh, il fait des jolies choses, Lou, hein, bien sûr. Eh, va parler avec Rory, c'est elle la chef, c'est elle qu'il va falloir évincer au bout d'un moment. Bah excuse-toi, parce que déjà ça me propose de t'excuser, donc tu vas t'excuser auprès d'elle. Je sais pas pourquoi. Je sais plus en tout cas. Meute de loup-garou. Donner à Rory un cadeau d'un camarade de meute. Rejoindre la meute! Ah! Épreuve de la meute, faire une démonstration de hurlement de meute. Allez, vas-y. Ah, il faut faire des épreuves. C'est bien aussi pour se montrer qu'il a la valeur de rentrer dans la meute. Une fois rentré dedans, on la squeeze. Bon, en tout cas, il a l'air de gueuler. Rejoindre la meute. Sinon, on pensait deux épreuves. D'accord, donc ça, c'est fait. Épreuve de la meute, faire une démonstration de fouille. Il n'a pas cette faculté. Ah, faut que j'achète les facultés, d'accord. Et on doit faire trois épreuves. Simon n'a pas cette faculté. Discuter de l'illumination lunaire. Donner un objet collectionné insolite ou rare. Et donner de la nourriture d'excellente qualité. C'est bien en fait, c'est pas si facile de rentrer. Hein. Ça c'est nord. Ouais, ok. Tu sais quoi? Tu vas les chasser. Déjà pour toi. Tu vas les chasser pour toi parce que t'as la dalle. Et tu y retourneras et tu lui offriras. Et je pense que peut-être que ça lui fera gagner quelques points pour rejoindre la meute, au petit Simon. Voilà, son bon steak cru. Simon est revenu avec de la viande fraîche qu'il a trouvée. Sûrement au supermarché, vu la gueule du steak et qui est bien, bien fait, quoi. C'est... Donc ça va. Allez, tu peux y retourner, s'il te plaît. Il commence à apprécier la vie en étant en petite tenue là. Allez, voilà, il retourne chasser et en espérant que Rory n'est pas là, mais on va essayer de la choper pour qu'on puisse lui offrir le steak qu'on aura trouvé. Voilà, il est revenu avec de la viande. 7! Ah ouais, il y a des trucs gâtés. Des dévorés ventes crues, mais. Mais oui,
mais il n'y en avait qu'un tout à l'heure. Et là, il a dit, ah ouais, ok, ok. Bon, mais il a cette viande. Ok, je sais, j'avais pas fait attention. Tu peux revenir là. Et on va voir où elle est. Ah bah, elle est pas là. C'est pas grave. Tu vas lui offrir à loup. C'est tout aussi bien. Meute de loup-garou, donnez à loup un camarade de meute. La viande crue normale. Allez, vas-y. Ah, tiens, un petit cadeau pour la meute. C'est bien. Ça a fait effet. Ajoute du combustible. Mais l'autre, il mange ses chips quand même. Mais t'es con, quoi. Je viens de t'offrir un steak. Ah, elle est là. Génial. Voilà, faire l'éloge de l'engagement des crocs sauvages. Tu vas faire ça. Et ensuite, tu vas t'excuser. Parce que, pourquoi pas. Et ensuite, meute de loup-garou. Rejoindre la meute. J'ai pas ce qu'il faut. Bon, c'est pas grave. On va quand même lui donner un cadeau. On va lui offrir de la viande crue. Ah! Elle est redevenue normale. Ah, câlin, mon ami, comment tu vas? Toujours qu'ils aillent dans un endroit pour aller dans un autre après, c'est... Tout va bien. Nous quoi t'éteins le feu, mec? Tiens, je t'offre ce cadeau. Ouais, wow, bah elle a l'air de kiffer, toi. En même temps, entre loups, j'ai envie de dire, ils peuvent que bien s'entendre. Hein. C'est qu'avec les humains qu'ils s'entendent pas des masses. Oh, sentiment obtenu. Tu sais quoi, ça a été merveilleux de passer du temps avec toi. Ah, oh, c'est trop mignon. Ah, par contre, il commence à fatiguer un tout petit peu. Rejoindre la meute. Donc, ça, soit il a pas encore tout ça. Hein. Et est-ce qu'on a gagné un point? Pas encore. Et si tu gueules un bon coup, un hurlement de meute, est-ce que ça devrait regagner des points? Pour passer vétéran en plus. Ça lui fait gagner quand même un petit peu, hein. Hurlement sombre. Et hurlement. Et marquer son territoire. Mais il est claqué. Oh là, c'était un petit cri de merde quand même, hein. Par contre, le pipi, ça marche toujours bien. Allez, rentre mon petit. Tu lui dis bonne nuit à Rory et là tu vas rentrer. Bon, il est tôt. Hein. Sa fureur est à zéro. Si à la fin de la nuit, il est vénère à tout péter, ça va pas aller. Hein. Ah, les cours de Simon vont déjà commencer. Là, je plaisante, je rigole parce que ben. Il a pas beaucoup dormi encore. Hein. Donc, autant son père, il va se réveiller tout ça en pleine forme. Autant le petit Simon. Je pense qu'il aura ni le temps de se doucher, ni le temps de manger pour aller en cours. Ah oui, il est déjà 9h du... J'ai pas vu le temps passer, oupsi. Allez Simon, c'est l'heure d'aller en cours. Tiens, Simon, il va rentrer avec sa camarade de classe, Léa. Celle qui l'a... Ah oui? Celle qui l'a transformée, elle est actuellement en furie. Elle va tout péter dans la maison, ça va être terrible. Attends, loup-garou, partagez ces échanges de loup-garou. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, tu pues, mon gars. Ouais, mais j'ai peur qu'elle rentre, là. Elle est en furie, hein, la coquine, hein, donc... Alors, ça se passe bien? Alors moi, mon truc, quand je suis en loup-garou, c'est de pisser partout. Enfin, tu me diras, il n'y a pas que tant de loup-garou que j'aime pisser partout. Ok, elle a quand même réussi à rentrer je ne sais comment dans la maison en étant en sauvagement, là, en quatre pattes. Mais dans des... quand même, c'est très bizarre. Bah tiens, une loup-garou qui regarde un film sur les zombies. Étonnant, non? Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures, chaton?
Ouais, puis il a la dalle, il ira chasser après. Parce que de toute façon, vu que les steaks sont pourris... Attendez, il a encore 5 steaks? Je comprends rien. Gâté, gâté, gâté. Tout est gâté. Ouais. Ouais. Falloir faire le ménage, là, hein, parce que... Il y a plein de... Oh, regardez-moi ça, ce stock de steaks. Tous moisis. Oui! Il est vétéran, ça y est, le rang supérieur pour notre petit Simon Simonet. C'est où déjà? Attendez, je ne sais plus, je ne sais pas. Oui, c'est ici. On a un point de plus à dépenser et un nouveau stade atteint. Hurlement terrifiant, chasse en groupe, hein, résistance lunaire. Ça, on peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas débloqué le dénicheur. Et instinct primitif. Faites confiance à votre instinct pour améliorer rapidement votre confiance en vous. Qui a besoin de toutes ces émotions inutiles? Être un loup-garou qui peut activer son instinct primitif signifie canaliser la bête à l'intérieur pour se concentrer sur ce qui est important. Être un loup-garou confiant qui peut éviter les autres humeurs plus négatives. Bah en fait, moi j'aimerais que l'on puisse acheter les pouvoirs pour entrer dans la meute des crocs sauvages. Je me souviens plus vraiment ce que c'était. Allez, ah, c'est les facultés en sommeil. Je pense pas qu'on puisse... Ouais, moi j'en ai aucune en plus, là. C'est nul. C'est très nul. Pour les réaliser, en réalisant les objectifs pertinents. Donc il faudrait que je... Je sais pas. Que je vais aller voir d'ailleurs Rory. Peut-être que Rory, en cliquant sur elle, je vais pouvoir savoir ce qu'elle veut. Alors, il y a donné de la nourriture d'excellente qualité. On peut demander à maman de la cuisiner. Peut-être que ça peut se faire. Donner un objet à collectionner. Ça c'est peut-être les nouveautés, les nouveaux trucs. Il faudrait que dans ce cas-là, on puisse prendre là où il gratte dans la terre pour pouvoir les dénicher, pour pouvoir lui offrir. Sa illumination lunaire, on l'a pas. Et faire une démonstration de fouille. Il y a moyen en vrai. Il y a moyen, je vais lui prendre le pouvoir ici. Dénicheur. Comme ça, il va pouvoir tranquillement creuser ici, en fait. Fouiller le sol, voilà. Et on pourra récupérer des trucs. Offrir à Rory, lui faire plaisir et peut-être rejoindre la meute, officiellement. Bon, ça va, elle est en furie, mais elle m'a rien cassé. Hein. Elle a rien agressé comme mobilier, donc c'est assez sympa. Oh, j'avais pas vu, il a un nouveau truc. Canidée anticapitaliste. Depuis que la bête s'est réveillée, des doutes sur les normes sociétales ont commencé à apparaître. Ces Sims se rejettent désormais l'idée d'aller travailler chaque jour et obtiendront de la fureur supplémentaire si on les oblige à participer à cette routine destructrice et sans fin. Mais Simon, t'es le pire. T'es le pire. Mais en même temps, je le comprends. Je le comprends. Tous ces moutons, là. N'empêche, depuis qu'elle est devenue loup-garou, bizarrement, on s'entend super bien avec elle. Hein. C'est un petit peu abusé. Mais oui, mais elle repart à quatre pattes. Bon, bah elle est partie. Toi, tu vas aller courir parce que t'es enragé, t'es pas bien, machin. Tu vas aller courir. T'en as besoin, je pense. Allez. Allez. Calme-toi. Ça te fera prendre l'air. Rien de mieux. Voilà, il va mieux. Bah écoute, tu peux arrêter. Et tu vas... Fouiller le sol. Allez. Va me fouiller un peu le sol, voir si tu trouves des trucs. Et il a trouvé une tablette michupotamienne. Domestication de la plante vache. Et ça, c'est justement une des nouvelles collections que l'on a avec le pack loup-garou. Elle est insolite. Et ça, c'est top parce qu'on va pouvoir l'offrir à Rory. Comment ça, t'es enjôleur? Il vaudrait mieux trouver quelqu'un à aimer. Il y a de l'amour dans l'air et Simon, Simonet se sent un peu folâtre. C'est le moment de tester ses techniques de dragon. Non! Non, sinon sa furie va grimper. Je ne veux pas. No, 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 no. Je ne veux pas que tu... Drague. C'est qui celle-là? Non. Ouais, à la limite, la petite Greta, là, qu'on avait captée. Bon, peut-être. Mais c'est qui celle-là? Mais pourquoi tu fais ça, là? Oh, laisse-le gratter, il aime bien ça. Il aime bien avoir les mains sales. Voilà, il est né dans la boue. C'est comme ça, c'est son trip. Et il a trouvé une améthyste. Ah, tu vois? Et c'est insolite également. Et maintenant, une citrine. Tu veux parler à Lou? Qu'est-ce que tu veux lui raconter? Tu veux discuter? Mais tu vas pas draguer Lou quand même? Non, 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 allez, vas-y, rentre à la maison. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre, mais de toute façon, il a pas le même âge que toi.
Et la mère qui tape dans le steak dégueu. Et moisi. Mais vous êtes pas bien. Mais pourquoi vous faites... Comment ça, c'est cru? Enfin, c'est pas pourri. Mais nettoie ça, en fait. Oh là 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 là. Voilà, Simon est rentré. Tu vas prendre une douche sauvage et ensuite aller te coucher directement. Et maman, bah, qu'est-ce que tu fous dans sa chambre? Elle s'efforce de recycler. Bah super, c'est bien, regarde. Je vais te... Oh là là, c'est vrai que sa mère... Tu vas... Voilà, cherche des trucs là dans la poubelle. Elle va être contente, elle va recycler. Et puis après, tu iras te coucher. Bon, notre petit Simon est de nouveau au lit. Demain sera une autre journée d'école, de fureur sûrement. Et peut-être également qu'on aura la deuxième pleine lune. Et on va pouvoir essayer de rentrer dans la meute grâce au cadeau qu'on a trouvé. On va essayer de voir avec Rory si ça lui va. Et ça, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à mettre le comme, le like. Évidemment, hein, c'est toujours le même discours. Et surtout, partagez ma chaîne sur vos réseaux sociaux, sur des groupes Facebook ou autres. Ou auprès de vos amis qui aiment les Sims. Il n'y a que par vous que le message peut passer. Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous fais des bisous. À très bientôt.